Et voilà comment ça se passe. Ils ont donné 10 euros quoi. Hier, ouais, puis là ils ont dit qu'ils donnaient 40 euros. Ça va ? C'est bien la petite caméra là. Ouais. Tranquillou. Tiens, viens voir, viens, approche. Comment tu t'appelles ? Yann. Yann. Et toi, ma couille, tu t'appelles comment déjà ? Ouais, mais moi, tout le monde me connaît. Moi, c'est Sergio. Sergio. Dis-moi, Yann, c'est quoi ta vie aujourd'hui ? Je vis dans un camion et voilà, ben, c'est, voilà, hein, on s'en sort quand même. Hein. On mange tous les jours, on fait la manche. T'es SDF. Voilà, SDF, voilà, il faut un appart, quoi. Donc, si quelqu'un m'entend... Bah quoi, t'as raison, hein, pourquoi ? T'as raison. Mais bon, il n'y a plus d'aide en France, les gens, ils s'appuient. Mais putain, Sergio, il va mettre ça sur YouTube. Viens. Eh bien alors, bah viens. Non, tu fais très bien que t'aimes pas ça. Viens. Viens, allez, viens, 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 viens. Là, j'avais promis à ton mec que je... Tu peux la filmer, de toute façon, regarde. Ouais, je peux. Ouais, ouais, mais je peux pas la filmer si elle veut pas. T'es à la rue, vas-y, parle. Putain, bon, c'est vraiment réel, c'est vraiment des gens qui sont à la rue, ils dorment dans un camion, comment il s'appelle ? Et souvent, bon, je me gare à côté, vous voyez, mon véhicule il est là, je me gare à côté. Je t'envoie des fax tous les matins. Voilà comment ça se passe. Non, en France, on n'a pas d'appart. C'est quand même la misère, non ? À la rue, ouais. Et 2 ans et demi que ça dure. Tu fais la manche ? On fait la manche. Ah ouais ? Ça va, les gens sont généreux quand même ? Ouais, ouais, quand même. T'as des enculés et t'as des gens bien. Bon, bah ça va alors. Ouais. Tu devrais les remercier alors. Hein ? Tu devrais les remercier de temps en temps de lâcher une tuile. Pas tous, tu vois, mais il y en a, je les remercie. Carrément. Ils me permettent de prendre une douche de temps en temps chez eux, tu vois. Si t'as un message à faire passer à quelqu'un là, peut-être que quelqu'un pourrait te reconnaître. Si j'ai un message à faire passer à quelqu'un. Ouais, ou dire bonjour à quelqu'un que tu connais, que t'aimerais bien revoir un jour. Un pote. Ouais, un bon pote, une bonne copine, je sais pas. Michel Pereira. D'accord. Voilà, Michel Pereira, si tu vois cette vidéo, ben tu me le dis et puis voilà, je ferai passer le message. Voilà, on fait comme ça. C'est pas... Voilà comment ça se passe. Voilà, voilà la vie. On est sur un parking, là, au fait. Et nous, on dort dans un camion. Ça fait combien de temps que tu dors dans le camion, là ? Ça fait combien de temps, Marlène ? 2 ans. 2 ans. De Noël. Et ça fatigue. Deux jours de l'an. T'as quand même des bons moments dans le camion, non ? Mais oui, on se marre quand même. Hein, oui. Ouais. On se marre, t'inquiète. Ouais. On se marre bien. Encore rien. C'est le bordel en France. Ah là, je sais plus quoi dire. Ben, y a rien à dire. Hein. Ouais. C'est juste le résultat qui compte, quoi. Plus de boulot. Ouais. Mais bon, maintenant, pour trouver du boulot, ils te demandent une adresse, ils te demandent ci, ils te demandent ça. Mais on a une adresse. On a une adresse, mais une domiciliation, tu vois, c'est... Ah ouais. Voilà, mais c'est une adresse, voilà, pour avoir le courrier, pour, tu vois. Tu trouves qu'on manque d'aide en France ? Ou on est trop aidé ? Non, je trouve qu'on est trop de gens. Trop de gens. Comment ça ? Trop. Si, parce qu'avant, il y avait plus d'aide. Et vu que l'Europe a tout changé, maintenant c'est libre circulation, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que maintenant je suis pas du tout raciste, j'adore. Non, mais t'as le droit, c'est fait pour s'exprimer, pas pour raconter. T'as le droit de parler. Mais maintenant, il y a tellement de Roumains, de gens qui sont dans la merde, qui sont venus en France. Parce que je comprends, ils sont venus chercher le bonheur. Ouais. Tu vois. Mais il y a trop de gens dans la merde maintenant, trop de gens. Tu vois. Presque limite, on va devenir comme eux, quoi, si ça continue. Ouais. Ça veut dire que ça va être nous qui va être obligés de se rapatrier ailleurs pour essayer de s'en sortir, si ça continue. C'est possible, c'est possible. Ça devient chaud, donc voilà, quoi, c'est... Mais bon, ça fait un moment que ça se dégrade, hein, de toute façon, t'as vu. 15 ans, moins 15 ans que ça se dégrade, hein. T'as pas remarqué ? Ben, ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire ? Le problème, il est là. Et voilà les amis, voilà. Voilà la vie. Hein. Donc, et comme on peut. Comment tu passes ton temps ? Sinon, voilà, je passe le bonjour à tout le monde. Isabelle, celle que tu reconnais, ma copine. Qui ça d'autre ? J'en ai tellement Flore, que j'adore aussi. Pascal, les Vitry. Plein de monde, quoi. Enfin, tous ceux-là qui me connaissent. Voilà. Bah, j'espère que tu auras un retour quand même, toi. J'espère.
Ce serait bien, moi j'aimerais bien toi de qu'un jour ma vidéo ou mes vidéos servent à quelque chose. Mmh. C'est pas la première fois que je discute avec des personnes dans la rue. Et tu les mets où, les vidéos, sur YouTube? Sur YouTube, ouais, ouais. Sur YouTube, sur Facebook. Mmh. Après, bon, les gens ils tournent, je sais pas, j'en sais rien, je te demande rien. Tu me diras les commentaires. Mmh. Bah les commentaires, c'est avec les amis proches que je connais, quoi. Mmh. Après, des inconnus trop, bah il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, ça n'a pas amené grand-chose, hein, je vais te l'avouer. Ouais. Une fois, j'ai parlé avec un gars sur une autoroute, pareil, qui est dans la même situation que vous. Et lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est à la rue, je crois, en plus, tu vois. Et il vit dans une tente. Il demandait juste une tente, lui, tu vois. Ouais, il disait, moi, je veux juste une tente. Ouais. Mais j'ai jamais eu de retour, j'ai jamais eu une personne qui m'a dit, voilà, moi, j'ai une tente, donne-moi ton adresse, je te l'envoie. Et moi, j'aurais pu lui faire parvenir, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est dommage. Ouais. C'est pas grand chose quand tu vois le nombre de bordel qu'ils jettent les gens dans la rue, mais c'est vrai quand tu regardes bien. Tu trouves de tout. Et ben il y a des fois, il y a juste une personne qui demande pas grand chose. Et malheureusement, moi, à part discuter sur caméra, je peux rien faire pour ces gens. Malheureusement, quoi. Que ça soit et bon, tu vois, voilà. Nous, on a un camion, mais il y en a qui dorment dehors. Ouais, vous avez quand même un camion. Ouais, vous avez un abri. Il y en a, ils dorment dehors, carrément mais dehors. Même avec un camion, je veux dire, voilà, quoi. Vous avez quand même trois clébards. Hein, ouais. Trois clébards dans le camion et trois personnes dans le camion, c'est pas. Ouais, mais trois personnes, mais trois amitiés. Tu vois, ça fait combien de temps qu'on se suit, Marlène? 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, qu'on galère, qu'on. Tu vois, ouais, voilà. Ouais, mais bon, moi, quand je te vois dormir, quoi, je me dis, putain, il doit mal dormir, quoi. Ah, mais je dors trop mal, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal partout, t'as vu? Ouais, ouais. Donc, mais voilà. T'as pas le choix, quoi. C'est j'ai ça, pas le choix. Quoi. J'ai pas le choix, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Ouais. Faut, voilà, tu vois. Le problème, c'est ça, quoi. Quand tu cherches un appartement, tu dis que tu as des chiens de suite. Ça nous bloque déjà là-dessus. Mais bon, on avait trouvé un terrain, t'as vu, les gens ils nous ont virés parce qu'ils ont trouvé des excuses à la mort moelle-neuve, t'as vu, pour nous virer. Donc, mais bon, le terrain, c'était dans les hauteurs, t'as vu, Cagnes-sur-Mer et tout. Ouais, un peu loin, quoi, malheureusement. C'était éloigné de tout. C'est pour faire les courses, on mettait. Combien de temps, Marlène? Trois quarts d'heure. Pour aller au premier magasin. Ouais. Alors, je te dis, des fois on faisait ça tous les jours, on avait marre, quoi. Ouais. Après la meuf elle nous a viré, on s'est dit bah allez, vas-y, on retourne sur Nice. Et puis on est retourné sur le parking. Notre bon vieux parking. Bah ouais. Qu'est-ce que vous avez déjà squatté ici sur le parking? Bah oui, avant on squattait là-bas, derrière, tu vois. Ah d'accord. Ouais. Et là ça fait combien de temps là vous êtes là à cet endroit là? Ici, là? Là, ici. Ouais, ça fait même pas... C'était, ouais, 6 mois. 6 mois? Ouais. Ouais, facile, 6 mois. On a passé l'hiver, déjà. On va passer l'hiver, déjà. Ça va être bien, après. Après, pourquoi vous calez pas en bord de mer, là, cet été? Ce serait pas mieux? Avec le camion? Ouais. On se fait virer de partout. Ah ouais? Bah, les flics, hein, ouais, ils nous virent de partout. Il y a qu'ici qu'on a trouvé, ils nous font pas chier. C'est vrai, hein? Ah, ils n'ont pas trop le choix, quand tu regardes... Dans... Et là, sur le parking, il y a combien de voitures avec des squatteurs dedans qui dorment la nuit? Des camions aussi, non? J'ai vu qu'il y avait 2-3 camions qui sont dans le camion. Ouais. Il y en a combien en tout là? Il y a une dizaine. Quinzaine. Quinzaine de personnes quand même? Je pense. Ah ouais. T'as dit vieux. Allez, je pense que tout, quand je parle de quinzaine, c'est. Non, on va dire. Attends. Parce qu'il y a des camions, il y a des voitures, donc. Mais les gens qui dorment dedans, au moins, ils sont à l'abri, quoi. Ils sont à l'abri, mais il y en a au moins 30-40 là, hein, des Roumains. Ah ouais. Et bon, voilà, après, c'est des gens qui sont venus chercher le bonheur, parce que là-bas, c'est un pays pauvre. Mais il n'y a pas que des Roumains. Hein. Mais il n'y a pas que des Roumains, il y a des Polonais, il y a des Tchétchènes, et des Yougoslaves. Il y en a qui s'en sortent, je connais un Roumain avec sa femme et tout, ils s'en sortent bien. Mais tant mieux. Ils ont un appartement, ils ont une putain de bagnole, ils ont tout. Moi, je suis content. Ils ont un appartement, lui, il travaille, voilà, quoi, ils sont intégrés. Hein. Ouais. Ouais, non, mais dès que t'as un travail, après, c'est vrai qu'ils s'intègrent rapidement, quoi. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Déjà, pour nous, c'est pas évident. Alors, pour eux... C'est clair. Ouais, bah, écoute. Marine Le Pen, elle va pas suivre. Mais bon, après, qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais, après, eux, ils vont en Roumanie, le paquet, il a 1 euro de cigarette. Ah ouais. Donc, ils ramènent ça ici et eux, tu sais, ils... C'est la contrebande. Ça, hein. Non, mais c'est pas ça. C'est, si, ça, c'est de la contrebande. Non, mais c'est ça l'Europe. Alors, tu vas en Roumanie, le paquet, il est à 1 euro. Et nous, ça nous coûte la peau du euros, cul, quoi, tu vois. Ouais. Regarde en Tunisie, t'as vu, moi. Tu vois Tunisie, ouais, le paquet, 2 euros, je sais pas. Les Tunisiens, là, pourquoi tu les vois toujours avec des blondes? Parce que
Moi, je connais un petit café, tu y vas, hop, il me donne des cigarettes, le paquet de deux fois moins cher. Ouais. Tu vois. Ça, c'est interdit, ça. Mais c'est interdit, mais c'est interdit, mais c'est pratiqué partout. Même dans les épiceries, souvent, ils sont contrôlés quand même. Comme ça, l'improviste. C'est pratiqué partout. Ils trouvent des cartouches. Mais attends, mais les gens, moi je les comprends, faut qu'ils vivent et voilà. C'est... Enfin, je regarde la tête qui tire. Il n'y a pas de sous. On va les taxer, Marlène. On va les courir. Je regarde David parce que je sais assez à ses expressions. Non, ils attendent Gutschel. C'est ce que je dis, il n'y a pas de sous. Oh, ah, après, là, ils attendent le mec. Ça vient, David, viens. Non, je ne monte pas ma carrière, je suis dispensé. Viens là, viens. C'est viens pas, on a bien discuté. Mon vieux, t'as quoi de non, non, mais là, va pas la faire tomber. T'es indiqué ou quoi? Va pas la faire tomber, c'est le cadeau de ma mère. On a bien discuté, tu sais, on a discuté de la rue, de tout ça, tu vois. Il va mettre sur YouTube. Ah, mais il faut que les gens y comprennent. Vas-y, viens, le mal rasé, là, viens, viens. Viens te présenter. Mais viens gueuler, le bordel. Non, je gueule pas. Faut s'exprimer dans la bah vie. Bah ouais, viens t'exprimer, viens leur dire par contre, David, comment ça se passe, David, quoi. Il y en a marre de la société. Bah ouais. David, le magasin ferme à midi. Oui, mais ils vont arriver. Ils attendent Gutschel. Voilà comment ça se passe. Apparemment, Samsung, il va arriver aussi. Les gars de la rue. Ils me donnent 40 euros. Tu viens ou tu viens pas? Non, je viens. Bon, tant pis. Autre chose.